tous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se trouve pour une bonne partie de la journée ensemble. Donc, on va commencer avec cette première track. Donc, O1, je veux Sam. O2, je veux Noah. O3, je veux Gervax. O4, je veux Skazen. O5, je veux Kleiner. Et en track, je veux Sean. Au niveau du plan de battue, 15 sangliers. On essaye de faire 3 par personne. 5 brocards, on essaye de faire 1 par personne. Un cerf, une biche. 3 dents, 4 dents. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'en ai, mais je vois pas les postes sur la carte. Attends, on va te les donner, on va te dire. Ok, ok. Des tirs, vous tirez 15-20 mètres devant vous et derrière vous pouvez tirer, mais au 2 vous faites attention, il y a le 4 dans le champ derrière vous. Bien entendu. Attends, ok. Regardez, vous pouvez vous, vous poster. C'est qui est au 2? Je peux emmener le 2 moi. Je suis au 2. Vas-y, mon pote. Et le Shaun, il est connecté là? Bah ouais. Mais Sean, faut que tu t'es fait à la loge plus loin là-bas, la tente qui est au bout. Ouais, ouais je sais. Déco reco. Bah c'est ce que je viens de faire. Ouais, je le vois. Ils sont dans la traque encore, faut encore tirer. Ah bah non, je le vois normalement, il saute la route, il va venir vers toi. Bah dès qu'il passe la route, ouais. Je vais voir le silo. Oh, attention là. Faut les pieux là. Il y a pas beaucoup de pas. C'est bon, mort. Il y a du dard, pas mort. Il y a pas de... Il y a pas de chevrette, on est d'accord? Non, pas de chevrette, que des brocards. Ok. Il reste 4 brocards à faire. Ah ouais, t'as pas redoublé. Ouais, ouais. Ouais, de toute façon, c'est un par personne celui-là. Et il y a pas mal de JB qui passent de l'autre côté du pont. Hein. Merde. Ah, au pont, il y a un grand cerf qui est passé, hein. Un grand élaf. Oh, au pire, il part pour la deuxième track. Ah, j'arrive pas à voir si c'est un brocard ou une chèvre, hein, Dieu. Bon, je vais peut-être rajouter un cerf pour la prochaine track, là. Parce que s'il part en... Ah, peut-être mieux à faire comme prochaine track, c'est peut-être celle de derrière. Ouais, c'est ça, ouais, c'est, ouais, c'est ce qu'on va faire. Mais je rajoute un cerf, du coup. Il y a un beau brocard, Skazen, si tu, quand tu seras à ton poste. Il y aura un beau brocard. Ah, attends, sur la route, tu es mort. Il y a un beau brocard, t'as dit? Ah ouais, j'aime bien. Voir. Je l'ai pas tué, je laisse passer, moi ça fait peur. Je laisse passer pour l'instant. Oh, on lit la guerre là-bas. Ah, il est... C'est loupé ou pas? Ah, il est mort, il est mort. Sean, quand ça tire comme ça, n'hésite pas à tirer parce que du coup sinon c'est, quand ça tire comme ça, tout faire tout. Il me reste un sanglier à faire. Den touché. Pas mort. Mmh. Il reste, ouais. Il reste deux là, en fait. Ouais, deux. Deux. Et un sanglier de te lever aussi pour moi. T'es là? Voilà. Allez, on faut le chercher les gars. Ouais, il a été touché corps. J'ai pas la trace, moi, ça me met pas la trace. Corps à la blazer, c'est mort, sur son bâton. Ouais. Bah, et puis moi, ça me met juste fuite, j'ai pas la trace de sang. Ouais, bon, bon, je revenais. Corps, même si c'est corps, de toute façon, c'est mort. C'est qui est en 4 pattes, là? Les deux sangliers sont dans corps. C'est qui en 4 pattes? Ah, je sais pas les deux, mais il y en a un sur... C'est Kleiner. Mais avec Kleiner, Noah monte avec Kleiner. Je suis en train de faire le tour. De quoi? Il y a deux sangliers blessés. Alors il y en a un que vous ne trouvez pas et l'autre. C'en est où? Je sais pas l'autre, mais on m'a pas montré. On m'a montré qu'une seule trace moi. Quoi, la trace, pas de trace de sang. Alors, ah bah il est loupé. Bon, bah, il est loupé. Donc allez, ça fait 200 sangliers loupés, on va le compter comme loupé. Donc ça fait un sanglier pour Rocking.
Ouais. Un sanglier, un chevreau. C'est qu'argent encore. Nouvelle. On peut faire le rapport, les gars, s'il vous plaît. Bah, c'est bon, moi, j'ai fait un goré. On vous attend à la ferme. Allez, on t'attend, toi. Allez, on y go. Tout ce qui est pas dans le... Là, il y aurait plus que toi. Ah, tu l'as, tu l'arrives à fondre avec le 4 pattes. C'est qui, Noah? Noah, c'est... Tu vas où, toi? Viens là, toi. Viens un animal. Bon, nickel. Bon, les gars, on écoute le rapport, s'il vous plaît. Y'a moyen, tu me l'envoies en MP pour que je dise bien... Bah, là, je l'ai pas, j'ai pas fait, Skyzone, mais bon, en gros, on a prélevé 11 pièces. Bon, après, si tu veux, je peux le dire, hein, parce que j'ai tout noté. Ouais, au pire, dis-le. Alors, au poste... au poste 1, donc c'était Sam. Donc Sam, un sanglier. Ouais. Au poste 2, c'était Rocking. Donc, un sanglier, un brocor, dont deux sangliers bon, bah, loupés, qu'on n'a pas retrouvé. Ensuite au 3 c'était moi, donc un sanglier, une denne et un brocard. Et pour finir, enfin non, au 4 donc Skyzone, donc un daim et deux sangliers. Et pour finir, bah, Cleaner, un sanglier et une denne, donc ce qui fait un total de 11 pièces prélevées sur le carré magique avec pas mal de bêtes qui nous ont échappé. Entre autres les grandes bêtes, mais voilà. Donc bah après, bon, je laisse la parole à Skyzone pour la prochaine battue. Alors on va passer à la deuxième track de cette journée. Donc elle se nomme la battue classique. Donc au plan de battue, 17 cochons indifférenciés, 2 canidés indifférenciés, 3 brocards, 3 chevrettes, 1 cerf, car... d'après Kleiner, un cerf est parti en direction de cette track. 3 daims, 2 dennes. Au niveau des cochons, on en a 17 à faire. On est 5. On en fait 3 pour chacun pour le moment. Et on voit après comment ça se passe. Brocard, on tire et on annonce. On annonce immédiatement. Que ce soit brocard, chevrette ou cerf. Même daim, denne. Daim. Si c'est en troupe, on prend d'abord le mâle. Comme d'hab. Au niveau des cochons, on tire pas les suités. Ensuite, ouais. Au niveau des tirs, pour le poste, 1, 2, 3, 4. Attends, Skyzone, si je peux dire un truc. Oui. Juste pour les laits suités, là. Ouais. Bon, pour les différencier, on n'a qu'à dire les laits suités, c'est les laits grises, et les laits non suités, c'est les noirs. Ok. Comme ça, les gars, ils savent. Donc on tire okay. Pas les laits grises, c'est les laits suités. Ok. Ok, voilà. Entendu. Comme ça, voilà. Au niveau des postes, au niveau du poste 1, le long de la rivière, il n'y a pas de... Tu peux tirer dès que tu vois. Par contre, dans le champ, attends bien que ça passe. Parce que t'as le poste 2 après qui est par terre, donc poste 2, tu attends bien que ça passe derrière toi, dans le champ pareil. 3 pareil, 4 pareil. Au 4, t'es dans le coin d'un bois, enfin du bois. Donc t'essayes de te placer pour que t'es visu sur les deux champs. Et au 5, tu tires champ. Sur les trois champs, mais t'essayes de tirer 30 mètres, pas plus. Donc au niveau des postes, au 1, je veux Sean. Au 2, je veux Kleiner. Au 3, je veux Gervax. Au 4, je veux Noah. Et au 5, je veux Skyzone. Et en track, Sam. Moi, si tu veux bien, moi, je veux bien échanger mon poste avec Sam. Ça te dérange pas. Non, non, je traque, moi. Ah oh, bah, si tu veux. Je traque. Je vais péter un cochon dans le track, moi. Voilà. Ok, bon bah c'est bon. Bon bah allez vous poster. C'est parti les gars.
On y va tout Sean monte avec moi, Sean. Bah ouais, parce que du coup, moi, j'ai pris quelqu'un. Faut que je me TP. Attends, Raymond, faut que je cherche à le reprendre de balles et puis c'est bon. Moi, je veux juste récupérer des balles à la tente et on y va. Ouais, ça serait bien qu'on se suive tous. Ouais, moi je remets 10 balles dans le jeu pour acheter un 4x4. C'est qui qui a le... Ah bah c'est... Ah bah adieu hein. Allez jeune hein. Ah, tu veux expliquer, tiens je vais prendre le maestro avec des balles moi pour après. Prends pas ton chien, laisse-le dans ton chenil, Sean. Ah, je vais prendre le 30 R aussi pour la track là au point... À la mire, ça c'est top. Ça. Ah. Et... Vous... Bah dans la track, moi je vais voir hein, si je peux en péter deux, des cochons, on pète deux. Ça va un 4-4 les gars. Là, je peux pas tirer moi. Vous tirez deux petits cerfs, un gros cerf. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire plein de cartes. Ouais, non mais je vois, ouais. T'es pas obligé de dire, faut flinguer tous les cerfs qu'il y a dans le bois. Hein. Ouais, alors moi c'est un challenge, quoi, tu vois une petite brèche. Ah oh, j'arrive pas à voir, hein. Putain. Bah tire-la, cleaner, tire-la, elle est vers ah moi. Ah bah attends, faut qu'elle passe entre toi et moi. C'est trop loin. Ouais, c'est un chevrolien différencié, là. Bah... C'est une bique. Je sais pas si j'ai tiré une bique ou un brocor, il y en a déjà un mort, mais... Attends, bah j'en ai une qui arrive, une bique, Rocking Deer, elle arrive dans la plaine. La mienne. Attends, moi j'ai un renard, une bique qui arrive. Ah oui, je le vois, le goupil. Attention, cochon à toi, qui arrive, Sean. T'inquiète mon copain. Bon tu vaut mieux pas qu'il y ait un renard qui coupe la plaine hein, parce qu'il va avoir tout fait tomber de bordel. Tiens un renard, rien à péter, il sort. Ah King Beer, tu la tires pas la bique qui est dans mon champ là. Oh, il y a un sanglier, j'ai dit, c'est toi qui sort son bout de son nez. Juste devant moi. Attention à la houe. Ah, ouais, attention devant à la houe, devant toi. Oh putain ça arrive à fond. Attention à la houe. Devant toi Cleaner, devant... Oh ça arrive à fond. Chou, Ringo, tire pas Ringo. Faut les pieux là. Ah là j'attends que ça sorte. Non mais on attend pas trop parce que sinon les gars ils vont pas pouvoir tirer. Un renard mort. Mais... Cochon mort. Une bique de mort. Ah, ça repéraille là-haut. Ouais, en fait c'est bien traqué hein Chou. Comme ça, oh non, attends, le cochon fait la même plus que mort. Attendez, une lait de mort. Je vous montrerai tout après parce que je vais faire un peu. Vas-y, Sean, à toi au pied du Mira. Les gars, j'ai un cochon qui est bug. Genre, je l'ai blessé, il bouge, enfin, il est encore vivant, mais il bouge plus. Ouais, bah tire-le. Lui une balle à la tête. Moi j'ai un renard, une chèvre et puis une lait. Ah mais je lui tire dessus, il bouge pas, il a aucune réaction. Attendez, on va commencer après. Ah là où ? Je peux aller finir mon cochon blessé ou pas ? Ouais, après s'il est pas super mal, vas-y. Voilà, là, Sean, il est bourré. Ah, je l'ai sonné déjà. Là je vais prélever, ouais, je suis arrivé jusqu'au bout. Là, tout le monde me récapitule après, parce que... Surtout Sean là, parce que Sean il sait pas trop ce qu'il a tiré lui. Il sait pas qui il tire un œil ouvert, un œil fermé lui. Ah non. Non, j'ai un cochon de tomber et puis Un chevreuil, un sanglier, Sean. Ouais, un chevreuil et un cochon. Bah t'as tout loupé ou pas? C'est toi qui l'as eu celle-ci Non mais il a au moins trois cochons lui ont passé, il a tout loupé, je crois. Ok. Mais il y en a, je les tire au dernier moment. T'as l'œil hein, parce que c'est une femelle et c'est une noire. Ah bah tu vois j'ai bien fait de pas tirer la bique parce que j'ai déjà tué une bique. J'ai pas vu mon succès des 1000 sangliers prélevés. Enfin. Alors je récapitule Skyzen un sanglier, ouais. Sam deux sangliers dans la traque dont une connerie. Et chargez les chiens. Il charge les chiens. Il peut y avoir une bouteille de champagne, c'est pas grave. C'était donc, offert. Deux sangliers. Rocking. 200 000, vous me dites si je me trompe hein. Oh, c'est bon. Moi un chevreuil, Cleaner un renard, un chevreuil et un sanglier, c'est bien et sûr. Sean un chevreuil et un sanglier, donc ce qui fait 1 4 5 6 7 8 9
11 pièces pour la deuxième battue. Donc pareil que sur le carré magique, dont donc 1, 3, 5, 6, 7, 7 sangliers. 7 sangliers. 3 chevreuils. Et un renard. Pas trop mal. Ouais, donc pas d'âne vu, pas de grande bête. Non. Le grand cerf a été vu. Donc voilà pour la deuxième battue.